propriétaire d'une maison d'à peu près 160 mètres carrés. Nous sommes une famille avec deux jeunes enfants, donc 4 personnes au total, 6 ans et 3 ans pour les enfants, et nous habitons à Martigues. Donc la maison fait environ 165 mètres carrés habitables. Elle est dans un lotissement et elle est assez bien isolée puisque la maison a fait un agrandissement il y a à peu près 10 ans. C'est une maison assez neuve et qui est alimentée en électricité intégralement. Alors pour nous, l'objectif c'était surtout de pouvoir réduire notre facture d'achat d'électricité puisque la maison est intégralement équipée en électricité et donc du coup la facture d'énergie annuelle s'élevait à environ 2500 à 3000 euros par an. Donc l'énergie solaire nous permettait, en faisant de l'autoconsommation et en alimentant notre ballon d'eau chaude, de payer un petit peu moins cher auprès d'EDF. Nous avons cherché un petit peu à trouver une technologie qui nous permettait de diminuer notre facture d'électricité, et notamment pour la partie eau chaude sanitaire, où nous cherchions des solutions innovantes pour pouvoir obtenir de l'eau chaude d'une manière plus ou moins gratuite, pour pouvoir justement baisser la facture. Et on a rencontré donc les personnes de la société Dualsun qui fabriquaient un panneau solaire hybride qui permettait à la fois de produire de l'électricité, d'une part, mais aussi de réchauffer de l'eau qui était destinée au ballon d'eau chaude. Nous avons rencontré les gens de Dualsun sur une foire et dans des salons professionnels. Et on a été séduits par le produit et aussi par l'état d'esprit des personnes de la société. On était parti pour faire une installation photovoltaïque en autoconsommation. Et en faisant la conception du projet, on s'est rendu compte que si on intégrait une partie de l'installation photovoltaïque avec des panneaux Dualsun, on pouvait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois produire de l'électricité, mais également chauffer une partie de l'eau chaude sanitaire de la maison grâce à la technologie hybride de Dualsun. Donc ça faisait sens pour nous de faire un seul projet et d'intégrer Dualsun dans le projet global pour améliorer notre confort énergétique. Ça a duré environ une petite semaine entre l'installation du ballon d'eau chaude, des réseaux et également de la partie photovoltaïque en toiture. Donc c'était plutôt une installation qui s'est bien déroulée, sans aléas et qui fonctionne bien maintenant. Nous sommes plutôt contents de l'installation parce qu'on se rend compte avec l'usage que d'avoir la technologie Dualsun sur le système photovoltaïque, ça apporte plusieurs avantages. Le premier, bien sûr, c'est que ça nous permet de produire de l'eau chaude à coût zéro pour notre ballon d'eau chaude. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue économique. Le deuxième, c'est que sur la partie production d'électricité, on a la sensation qu'on a une optimisation et une meilleure production d'électricité parce que l'avantage d'avoir du Dualsun avec la technologie hybride permet de refroidir un petit peu les panneaux en plein été sous nos fortes chaleurs. Et donc ça a plutôt tendance à maximiser la production d'électricité. Donc au final, on est deux fois gagnant. On est vraiment satisfait de l'installation, de la technologie. On a même un service après-vente si on a besoin des équipes Dualsun qui est plutôt performant. Ce sont des gens qui sont à l'écoute. Donc pour des particuliers qui sont propriétaires de leur maison, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, nous sommes plutôt enchantés de la technologie Dualsun et de l'expérience. Donc on est plutôt enclin à promouvoir le produit et l'état d'esprit d'installer des panneaux solaires hybrides chez soi, parce que je vous dis, on a un double intérêt à la fois sur la production d'eau chaude et sur la production d'électricité. Donc en effet, moi je pense que s'il y a des gens qui sont propriétaires d'une maison qui consomment pas mal d'électricité et qui ont des besoins en eau chaude qui sont quand même conséquents, c'est pertinent, je pense, de vraiment réfléchir à une installation hybride solaire photovoltaïque. Il ne faut pas hésiter à donner de la valeur à sa maison, il ne faut pas hésiter à faire des projets, et celui-là ne peut être que valorisant pour le patrimoine d'une maison, puisque je vous dis, ça améliore le confort énergétique, ça permet justement de bien intégrer la dimension électricité et eau chaude dans son projet de vie. Donc non, je pense qu'il faut y aller, c'est intéressant.